Coucou, on est le samedi 1er octobre et je vous retrouve pour une balade dans les hauteurs près de Sibiu. Coup-ci, je suis au sud-est de Sibiu, là, près de montagnes assez hautes en Roumanie. Hein, c'est les plus gros sommets, là, autour de toute une chaîne, autour de 2500 mètres. Et moi, je suis seulement à 700. À 700 mètres, dans un très très beau décor avec un peu de vent. Et puis ça monte assez sec, c'est un petit chemin de randonnée qui peut monter au 2005. Il y en a pour un petit moment, par contre, hein, c'est pas mon objectif. Ouais, clairement, on sent vraiment que c'est un autre univers. Hein. Là, on voit encore des vestiges d'avalanche, des chemins un peu trempés. Puis un petit peu plus loin, on voit des rondins hein, et il y a un système avec. Des cordes métalliques là pour essayer de stabiliser un peu le chemin, mais ouais, on voit que c'est assez primaire comme système hein, pour que quand même les véhicules puissent passer, mais ouais, on voit que là, la nature elle fait pas de ouais, elle fait pas de dans la demi-mesure hein. On voit vraiment beaucoup de bois qui sont un peu partout là, qui sont charriés par le cours d'eau. On imagine, ouais, les conditions hivernales doivent être très très sympathiques ici. Hop, là on est à 1268 mètres. Je suis parti à peu près 750, donc ça fait 500 mètres ou à peu près 1 heure. Dommage qu'on voit qu'il y a vraiment un beau point de vue des montagnes en arrière-plan, de part et d'autre. Mais on est dans la forêt et on n'a pas vraiment de point de vue. Là, il y en avait deux qui étaient donnés par Strava, donc c'était mon objectif là. Et finalement, on voit rien du tout parce que les arbres n'ont pas perdu leurs feuilles. Donc on peut absolument rien voir. Et je pense que c'est des points de vue signalés pour l'hiver. Hein. Et que bah, là, je me suis fait piéger. Donc je vais essayer de continuer un petit peu. C'est vraiment sympa par ici là. Puis là, on voit quand même que c'est très bien entretenu. Hein. Il y a du passage, on voit qu'il y a la nature qui essaie de reprendre ses droits. Hein. Il y a des petits sapins qui poussent un peu partout, mais on voit que ça a été fauché il n'y a pas très très longtemps et que c'est vraiment entretenu là. Hein. Et il y a quand même du passage. Là, je dois être à ouais, 20-25 personnes depuis le départ, là, en un peu plus d'une heure maintenant. Donc, ce qui est quand même assez rare, mais là, c'est vraiment un des hauts lieux touristiques. Ah, ici, on a la double illustration de ce que je disais avec la nature bien capricieuse. Hein, on voit que c'était déraciné et puis aussi que c'est très très bien entretenu. On voit que c'était dégagé. Et puis un peu plus loin, là encore, hein, les arbres qui ont été déracinés. Hein, donc, c'est pas de la main de l'homme. Hein, on voit bien là que c'est déraciné. Hein, et c'était entretenu par la suite, mais il a dû y avoir des éboulements, des orages et tout. Et, ici, ça doit être spectaculaire. Hein. Ça ne va pas donner envie de se retrouver dans un orage. Puis là, on voit bien que ouais, c'est assez désertique. Hein. C'est propice à ce que le vent s'adapte, à que la foudre tombe. Donc, ça promet aussi un beau point de vue par là-bas. Chouette. J'ai bien fait de persévérer. Là, le point de vue devient vraiment très, très joli. Et effectivement, on a de la neige en haut. Et si j'ai bien suivi, en fait, c'est le 2 de la crête, hein, c'est le 2004 et 2005, c'est bien là. J'avais lu qu'il y avait des randonnées là où bah, il fallait pas trop avoir le vertige parce que on était sur une ligne de crête avec des falaises de part et d'autre. Et si j'ai bien vu mon GPS, c'est bien ça, hein, parce que là, on est pas loin des 1005 et on est censé rejoindre le GR à 2000, qui après, bah, justement, on va faire tout le tour là des 2004-2005. Du coin. Bon ben voilà, on n'est pas loin des 1005, on a du monde puisqu'il y a un refuge, il y a du chien, et effectivement là au loin, là c'est du 2005, hein, c'est des crêtes. Tout simplement magnifique. Ouais, du chien de partout, c'est la Roumanie. Magnifique. Ouais, ça y est, je suis dans la descente là, il y a un petit peu de lumière de nouveau là, un petit peu de soleil. Ouais, la neige. Hein. Puis bah, la vallée avec Sibiu en arrière-plan. Ah, ce sont toujours tout petits hein, en montagne, c'est toujours impressionnant. Là, j'ai récupéré
C'est une piste de ski finalement. Je sais pas trop ce que c'était, mais c'est une piste de ski. Et ben voilà, tout à l'heure je disais qu'il y avait une petite éclaircie, qu'il faisait limite meilleur, et bim, tout de suite, il y a des nuages, on voit que les 2000, 2004 là, ils sont engloutis et ça vient, ça descend, donc il y a fort à parier que ça va continuer. Donc toujours profiter de la moindre fenêtre de tir météorologique, parce qu'on n'est jamais sûr de rien en montagne, c'est vrai que ça tourne vraiment vite, et puis là c'est vraiment de la moyenne, hein. C'est 2000-2005, c'est pas non plus exceptionnel. On voit déjà le changement là tout à l'heure. Je montais, j'avais chaud, je suais, il y avait un grand soleil. Et là, bah, il fait bon. Hein. Je suis pas, voilà, je suis en t-shirt, je suis pas mis mon pull, j'ai pas mis le pantalon, mais voilà, les gens que je croisais, eux, ils étaient en pull et pantalon. Je suis pas très très lent dans ma descente, là, j'essaie quand même d'y aller d'un pas assez alerte, et là, ça me tue. Là, j'entendais des voix derrière mon dos qui se rapprochaient très vite, et en fait, ils font la descente en courant. Donc... ah, ils sont bien équipés, là. C'est assez impressionnant. Et puis, et par contre, ils sont juste avec des chaussures de running. Hein, donc je pense que ça doit être des bonnes quand même, mais c'est pas de la moyenne montagne, mais voilà, on voit quand même qu'il y a des petits pièges. Hein, les pieds des fois roulent un peu, donc pour les chevilles c'est toujours un peu dangereux quand même. Donc en courant, bah franchement chapeau, juste une chose à venir, chapeau. J'ai changé d'itinéraire, j'ai pris une pente beaucoup plus abrupte. Alors ça paraît peut-être pas en vidéo, mais je le sens en tout cas. Donc ça fait 500 mètres en à peu près une demi-heure. Et puis les conditions climatiques changent encore là, parce que il y a toujours du vent, mais par contre il fait beaucoup plus doux. Donc je profite pour souffler un petit peu et puis profiter du paysage, hein, toujours magnifique avec ces arbres en train de changer de couleur en ce début d'automne. Ouais, ce que j'aime bien en montagne aussi, c'est ça, hein. Petit cours d'eau, c'est toujours sympa d'entendre ce bruit et puis d'eau toute claire. Évidemment toute fraîche, mais ça fait du bien quand il fait vraiment très chaud pour se rafraîchir. Mais voilà, de l'autre côté, j'ai facilement pu franchir, il suffisait de sauter. Et puis comme je disais que c'était bien entretenu, ben là on voit que c'est remblayé, c'est le terrain, il y a des ajouts de pierre, et voilà, on a un engin qui s'occupe de ça. Donc là on voit que c'est vraiment un chemin qui est régulièrement entretenu et qu'on peut emprunter vraiment sans aucun souci. En contrebas, il y a le petit pont que j'avais franchi à l'aller, donc voilà, je fais la jonction, et là c'est du chemin maintenant tout tranquille. Sur le chemin du retour, là, un cerf, qu'on entend le brame, et puis on voit des biches, là, il y en a un autre qui est allongé. Et, voilà, grosso modo, et puis l'arrière-plan, les montagnes, la neige, c'est d'où je viens. J'ai croisé quelques vaches aussi qui étaient toutes seules, en fait. Elles se baladaient avec des clochettes, elles ont traversé la route, c'était rigolo. Et un cheval, on voit l'herbe vraiment bien toute verte, vraiment très très joli, le contraste vert avec les couleurs d'automne et puis la neige qui commence à arriver là. Puis, comme je disais, hein, ils en prévoient d'autres dans la nuit, dans les jours à venir. Là en hauteur c'est moins 1, moins 3 et puis 5, 6 à tout casser en journée. Voilà, tout à l'heure je disais qu'il y avait des vaches en liberté, ben voilà, on a rattrapé le troupeau, là il y a la route, hein, il n'y a pas du tout de contraintes, il n'y a pas de barbelé, il n'y a rien, et puis il y en a une autre un tout petit peu plus loin sur la route là, donc il va même falloir que je fasse attention en passant. C'est ça que j'aime bien ici aussi en Roumanie, c'est qu'il y a ce côté sympathique avec des animaux en liberté. Alors évidemment après ça, des fois c'est un peu dangereux, hein. Il y a des chiens qui peuvent traverser ou d'autres animaux, donc là voilà, quelques vaches, totale liberté, sympathique.